إذن عن كل هذه النقاط وأخرى. نسعد باستضافة إذن عبر تقنية سكايب السيد دوغاد دوغوي رئيس منتدى أفريكا SBM. مسيو دوغوي بونجور ومرسي دتر افيك نو سو ماتان. بونجور ا فو بونجور مرسي دو مي كونفيي سو ماتان. Merci, je vous en prie. Alors, vous êtes récemment rendu en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quel a été le motif de cette visite? D'abord, je voudrais. On avait prévu cet entretien hier, et pour les raisons d'intempéries en Algérie, on a dû la reporter ce matin. Je voudrais déjà adresser mes sentiments et m'incliner pour les victimes dans les wilayas de Guelma et de Tipaza. En Algérie, c'était ma première visite, paradoxalement, après avoir tourné sur le continent, à l'invitation du Africa Forum Investment, venir à Alger, ça permettait pour moi de voir qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité pour le pays de s'ouvrir et de commercer plus avant avec l'Afrique subsaharienne. Et ça a été une semaine riche d'enseignements, de contacts, et de projets d'avenir. Très bien. Alors, durant ce séjour, Monsieur Dogui, vous êtes rendu dans différentes usines, vous avez rencontré également des hommes d'affaires locaux. Pouvez-vous peut-être nous en dire qu'est-ce qui est sorti de ces entrevues? Alors, moi, j'ai été marqué, par exemple, j'ai fait une visite à Blida, à Moussaoui Industries, qui est une industrie de l'outillage, très ouverte sur l'international, avec son PDG, Bilal Moussaoui, qui m'a accompagné. Et on a pu voir, là, un savoir-faire algérien. Oui. Ce savoir-faire, ce sont des entreprises qui investissent et qui exportent en Europe. Et aujourd'hui, je suis venu leur dire qu'il y a des possibilités en Afrique subsaharienne, en Afrique australe, à l'est, à l'ouest, au centre, des industries naissantes qui ont besoin du savoir-faire algérien. Et donc, grâce à ces contacts, j'ai pu rencontrer, discuter avec les gens du patronat, du CREA, les gens de Anexal pour les exportateurs, de CIPA, les industriels, la bourse de sous-traitance. Tout ce monde-là, j'allais dire, est prêt aujourd'hui à engager le savoir-faire algérien pour rencontrer les entreprises, les PME de toute l'Afrique, de notre réseau. Mmh. Aujourd'hui, c'est 52 pays qu'on peut mettre en connexion avec les entrepreneurs algériens. D'accord. Monsieur Dogui, l'Algérie s'est employée à créer un climat attractif pour notamment l'investissement emprunt de confiance, mais notamment suite à la mise en œuvre du nouveau cadre législatif de l'investissement qui a apporté beaucoup de points positifs, bien sûr. Selon vous, quels sont les secteurs qui pourraient intéresser les hommes d'affaires étrangers ici en Algérie? Alors, moi, d'abord, j'ai bien suivi hier la visite du chef de l'État au Portugal, et donc qui a renouvelé, en gros, j'allais dire, l'appel de l'Algérie avec la nouvelle loi sur l'investissement. Comment protéger l'investisseur étranger avec un cadre stable? C'est ce qui va permettre aujourd'hui que dans les infrastructures, dans l'industrie, dans la transformation agro-industrielle, et puis peut-être demain dans les éléments comme le tourisme, l'hôtellerie, des investisseurs étrangers viennent. Et quand je dis étrangers, je parle des investisseurs hors d'Afrique, mais aussi des investisseurs africains. Parce que pour réussir le commerce intra-africain, il faut que l'Algérie aille vers ses frères africains, mais il faut que ces entreprises-là aussi puissent accéder à des partenariats, à des échanges en Algérie. C'est ce que nous allons nous efforcer de faire. D'accord. Vous le savez certainement, nombreux sont les Algériens ou les hommes d'affaires algériens à investir dans des pays africains, à l'image du Sénégal qui a notamment beaucoup de potentialités, mais rares en contrepartie sont les investisseurs africains présents ici en Algérie. Si on parle d'investissement africain, comment évaluez-vous aujourd'hui les investissements sur le continent africain? La première chose d'abord, c'est que nous partons de très loin. Aujourd'hui, dans le courant d'investissement, l'Algérie ne commerce que pour 4% de ses importations avec l'Afrique, toute l'Afrique, et n'exporte que 4%. Donc, vous voyez, 4% de toute l'exportation algérienne va vers les autres pays d'Afrique. Donc, il y a un gap. Je pense qu'on peut passer rapidement à 10% si on le fait. Nous avons commencé dans notre réseau à identifier au Nigeria, à l'Angola, au Kenya, au Mozambique, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie ou en Éthiopie, des industries fortes, naissances, des entrepreneurs, des investisseurs, à qui il faut qu'on passe le message que l'Algérie est ouverte aussi pour eux. Donc, j'allais dire, il y a aussi un message, il faut briser la glace
ouvrir cette porte qui a été ouverte au moment des indépendances, où l'Algérie avait un lien culturel très fort avec ses frères en Afrique. Et il faut que ce lien historique fort continue aussi sur le plan de l'économie, du commerce, de l'industrie. Vous savez, hier, c'était le 25 mai, c'était les 60 ans de l'Union africaine. Et je pense que l'Algérie, qui a été au départ de cette union, qui a été aussi au départ de la ZLECAF, donc la zone de libre-échange économique africaine, bah, doit faire aujourd'hui prendre toute sa place en créant des liens forts avec les entrepreneurs. C'est le commerce intra-africain, c'est les échanges entre entrepreneurs qui vont créer un nouveau courant d'échange entre l'Algérie et toute l'Afrique. D'accord, vous êtes le président du forum SBM Africa qui existe depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce que SBM? 2012, Très pardon. bien. Mais qu'est-ce que SBM Africa? Alors, Africa SMB, c'est Small and Medium Size Business. C'est donc réseau aujourd'hui de 32 000 entreprises qui D'accord. sont des entreprises moyennes, ETI, taille intermédiaire, et aussi des grands groupes qui commercent avec les PME. C'est un réseau qui dit, puisque vous voulez faire un investissement productif en Afrique, il faut s'appuyer sur les entreprises locales africaines. Il n'y a pas d'investissement, alors qu'ils viennent d'ailleurs intra-africains ou hors d'Afrique, sans travailler avec les entrepreneurs du continent. Donc nous faisons en sorte que les réseaux des entreprises africaines participent soit en sous-traitance, soit en co-traitance avec des D'accord. investisseurs qui viennent dans leur pays. Donc on crée un espace pour identifier pour les investisseurs des partenaires potentiels. Donc à chaque entreprise, ça va être une sélection de 5 ou 10 pour pouvoir continuer le travail d'amorce. Et j'allais dire, on ne peut pas aller dans un pays tout seul. Il faut toujours aller avec un investisseur, un entrepreneur local qui devient son partenaire, qui lui ouvre les marchés et qui profite aussi de l'investissement. C'est ça le rôle d'Africa SMB. D'accord. Est-ce qu'il y a des entreprises algériennes présentes au sein de SMB Africa? Oui, aujourd'hui, nous avons peut-être une vingtaine d'entreprises qui sont là, ce sont des entreprises que nous connaissons depuis longtemps, et ce sont D'accord. elles aussi qui nous disent où sont les marges de progression. On a besoin de ça. Il y a une frilosité, il faut qu'on se dise les choses, il y a une frilosité vis-à-vis des marchés africains, et puis il y a eu aussi peut-être une tendance à se tourner vers le Moyen-Orient, vers l'Europe, qui était une tendance facile. Aujourd'hui, les choses se tendent un peu, et les entreprises algériennes ont compris qu'elles avaient naturellement, au-dessus du Sahara, des partenaires potentiels. C'est un marché qui, déjà, on est bientôt à 1,3 milliard d'habitants sur tout ce continent. Donc, il y a besoin de se loger, de se déplacer, de se vêtir, de se nourrir, des infrastructures. Donc, il n'y a que des besoins à couvrir et c'est que des opportunités. Évidemment, un entrepreneur, il ne va pas à l'aventure sans broclaire. Il y va en prenant quelques garanties. Donc, on a besoin d'accompagner les entreprises algériennes à trouver dans chacun des pays un cadre qui les sécurise, des partenaires locaux qui peuvent faire affaire avec eux. Et puis, moi, j'aurais un appel, mais je crois que c'est le gouvernement algérien a commencé à le faire, c'est cette restructuration et l'accompagnement du pool bancaire pour que les entrepreneurs et investisseurs algériens soient accompagnés par la Banque d'Algérie, parce que c'est une manière d'accompagner l'investissement que fait un entrepreneur, de garantir qu'il est, j'allais dire, couvert et accompagné par le système financier. D'accord. Que proposez-vous aux acteurs économiques ou quelle est votre stratégie? Ben, aujourd'hui, la stratégie, c'est une approche. Moi, je pense que ce premier voyage, il va en appeler d'autres, Inch'Allah. Et à mon avis, d'ici la fin du mois de juin, il faut que je reparte pour consolider Blida et Alger, mais aussi dans d'autres wilayas, des contacts qui nous permettent en fait de commencer à travailler. Bientôt, on va être. Le réseau est au Sénégal au mois de juin, est en Côte d'Ivoire, est au Cameroun. Ensuite, on ira en RDC et au Congo-Brazzaville. Et puis, en Tanzanie, au Mozambique. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, ce sont autant d'opportunités que nous créons. Et pour lesquels nous allons nous approcher donc du patronat, des différents patronats, de nos propres partenaires, pour pouvoir, je vais dire, prendre par la main des frères algériens qui ont envie d'avoir de nouveaux marchés, mais qui ont besoin que ce soit accompagné, sécurisé, parce qu'il n'y a pas de risque zéro quand on entreprend.
mais c'est quand même bien de minimiser les risques et de trouver le bon partenaire. Donc, c'est une approche, j'allais dire, artisanale, de proche en proche, c'est un accompagnement ciblé qui permet que sur l'énergie, sur l'industrie, sur l'agriculture elle-même, sur la construction, sur la santé, parce que dans le volet médical, pharmaceutique, il y a des expériences algériennes, sur les infrastructures, autant de secteurs pour lesquels nous avons ailleurs en Afrique des possibilités de partenariat. D'accord. Quelles conditions doit remplir une entreprise pour avoir accès à votre réseau? Oh non, aucune condition, c'est-à-dire que c'est un réseau ouvert pour pouvoir faire affaire. Quand on a besoin de connecter, on vient nous voir. À partir de ce moment-là, évidemment, on va avoir affaire à des consultants qui vont vous accompagner. Donc, ça devient une discussion entre l'entreprise et ses partenaires. Le plus important, c'est qu'on mette ensemble nos synergies. Ce travail-là, il est fait en Afrique, avec les pays du monde. Aujourd'hui, les entreprises chiliennes, portugaises, polonaises, françaises, indiennes, chinoises. L'idée, c'est que l'Afrique ne soit pas fermée. Le PME africain soit ouvert au monde. Et notre rôle, c'est de permettre que partout en Afrique, quand un partenaire hors d'Afrique vient, il soit bien accueilli. Mais c'est aussi de ne pas oublier, et ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est la composante du commerce intra-africain. Aujourd'hui, on en est sur l'ensemble du continent, on est à 13%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 13% des échanges de l'Afrique qui se passent d'un pays à l'autre. Et donc, on ne peut pas être ouvert au monde entier et oublier que nous avons des voisins avec lesquels nous voulons converser. C'est le rôle et c'est la mission qu'Afrique SMB s'est donnée. D'accord. Que pensez-vous de la ZLECAF, la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine? Alors, moi j'étais un de ceux qui, au moment où la ZLECAF a lancé, qui était un peu dubitatif, parce que j'avais personnellement le sentiment que c'était ce qu'il fallait depuis la création il y a 60 ans donc de l'OUA, l'Union africaine, il y avait déjà cette envie inscrite. Je me disais, il n'est pas l'heure. Simplement, aujourd'hui, je revends ma position. Si nous attendons que toutes les conditions soient parfaites, jamais nous ne le ferons. Pourquoi j'avais un petit sentiment de réticence? C'est parce que j'estimais qu'un marché, on ne l'ouvre à d'autres que lorsque soi-même on est prêt. Et j'estimais, et j'estime toujours, que nombre de pays africains ne sont pas prêts dans la structuration de leur industrie, dans le renforcement de leur propre entreprise avant de l'ouvrir. Vous savez, dans le commerce intra-africain et dans sa ZLECAF, une entreprise qui est de droit national, donc qui est inscrite, elle va demain avoir le droit de commercer librement sur tout le continent. Simplement, on n'ouvre pas la porte à des tiers si soi-même on n'a pas les industries fortes. Sinon, vous aurez des tiers venus hors du continent qui créeront des entreprises et qui, j'allais dire, s'immisceront. Mais en même temps, c'est une chance. C'est une chance parce qu'on a un vaste continent. Encore une fois, je vous dis, on a un commerce intra-africain très, très, très en retard en termes de volume. Et souvent, quand je suis dans mes voyages, bon, je fais deux pays par semaine et 3 semaines par an en toute l'Afrique, je me rends compte que les Africains ne se connaissent pas entre eux. Les entrepreneurs africains ont une réticence, une propension à aller chercher très loin des partenaires, en Europe, en Amérique, en Asie, alors qu'ils ont sur le continent de grands champions qui peuvent leur apporter des solutions. Donc, la ZLECAF va permettre aussi de renforcer le commerce intra-africain, qui pour moi est la chance des économies africaines et des populations africaines. D'accord, peut-être un éventuel retour ou des projets à concrétiser en Algérie prochainement. Ah oui, bah je vous dis que, si je peux permettre, dès le mois de juin, retour en Algérie d'abord pour aller voir au-delà d'Alger, de Blida, aller ailleurs, dans d'autres wilayas, bien sûr, parce que les industriels sont là. Et puis, on a en ce moment en cours quelques éléments très précis, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, en domaine de la santé et de la pharmacie, en domaine de toute la partie industrie mécanique, dans tout ce qui est infrastructure et matériaux de construction. Il y a des demandes qui ont été identifiées sur lesquelles nous travaillons. Et je me rends, je vous dis tout à l'heure, je vous le redis, début juin, ce sera à Dakar, ensuite à Abidjan, mi-juin, ce sera à Yaoundé, à Douala, au Cameroun, et puis l'Afrique centrale avec le Congo et la RDC.
pour pouvoir déjà, dans ces missions-là, avoir le besoin et les demandes d'entreprises algériennes qui nous ont demandé de faire pour elles des premières prospections pour ouvrir le champ et leur trouver des partenaires. C'est comme ça qu'on va pouvoir réussir cette alliance intra-africaine. D'accord, vous nous avez dit que c'était votre première fois ici en Algérie, c'était un voyage de découverte, un voyage plein de découvertes comme vous l'avez dit. Racontez-nous un peu ce voyage. Ben, je dirais que d'abord, j'ai beaucoup d'amis algériens, paradoxalement. Et quand je regarde mon téléphone, qui est un téléphone avec une vingtaine de milliers de numéros, ben, j'ai là-dedans peut-être une centaine de numéros algériens. Et donc, j'ai même fait le reproche à mes amis en disant, mais depuis le temps que je tourne, je parcours l'Afrique, je ne suis jamais venu chez vous. Bon, il y a eu quelques velléités en 2018-2019, et puis la COVID est passée par là. Oui. L'année dernière, on avait pu le faire, mais l'agenda n'a pas permis. Et j'allais dire à la faveur de ce forum d'investissement qui a eu lieu à Alger, c'était l'occasion, pendant les 2 jours, de venir au forum et pendant 5 autres jours, bon, je n'ai pas encore parcouru les autres wilayas, donc j'ai vu Alger, j'ai été impressionné. Et c'est pas l'image qu'on en a quand on n'est pas algérien, quand on n'a jamais vu Alger, on se fait une idée. Et je vois bien un pays avec énormément de potentiel, avec des infrastructures solides, avec des entrepreneurs costauds. Et je me dis, je dirais, il y a des grands pays, des grands champions africains qui devraient, j'allais dire, nous structurer le commerce africain. Si je dois en gros citer rapidement, je dirais l'Algérie, bien sûr, non, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, la RDC, le Kenya. Donc, il y a une dizaine de pays forts qui devraient être locomotives et il faut que chacun joue sa part. Donc, moi, je suis venu dire aux entrepreneurs algériens, aux patronats algériens, que il est D'accord. africaine et nous sommes là pour l'accompagner dans ce travail auprès des institutions, bien sûr, et auprès du tissu économique. Parce que le plus important, c'est d'avoir, de répondre aux besoins des entrepreneurs. Faire du commerce avec l'Algérie, par exemple en termes de matériaux de construction, c'est de trouver des solutions idoines, costauds, à des prix compétitifs, et Oui. l'Afrique entière en a besoin. Un dernier mot, monsieur de Gade. Vive Algérie! Moi, je suis prêt et je reviendrai bientôt en Algérie, Inch'Allah. Et vous serez le bienvenu. Merci à vous. Merci d'avoir été avec Merci. nous ce matin et merci d'avoir répondu à toutes nos questions.